Et maintenant, Mondial Lossaye Kouma, président de l'Assemblée, le 29 matin, vice-président de l'Assemblée régionale de Conakry. Un incendie s'est déclaré au marché de Madina afin de se rendre à l'Assemblée. Est-ce que vous réagissez à ça? Bon, ben, comme tout le monde, c'est un événement très malheureux. Dans ce sens que tout le monde est là, monsieur le ministre de Commerce, monsieur le président de l'Assemblée de Commerce de Matam, de Conakry et de la Guinée, monsieur le ministre de Sécurité, disons tous les sapeurs-pompiers, c'est lié encore de remercier très sincèrement les services de sécurité à tous les niveaux, la gendarmerie, la police et toutes les bonnes volontés aussi. Et la population de Madina, ils sont là massivement. Les autorités locales, ils sont là massivement, mobilisés pour aider à ce que cet incendie soit maîtrisé. Et comme vous le voyez déjà, nous sommes en train d'être maîtrisés. Donc nous remercions tout le monde et nous demandons encore l'État de venir aider les opérateurs économiques sinistrés pendant que les gens en train de souffrir. Parce que voyez-vous, actuellement, il y a aussi d'autres centres qui sont. À proximité. Donc, le fait n'est pas maîtrisé totalement. Je disais, le fait n'est pas encore maîtrisé totalement. Je demande encore le sapeur-pompier, les autorités à tous les niveaux, de continuer à travailler là-dessus pour que le dernier feu soit maîtrisé, pour éviter à ce qu'il s'embrasse Inipara, parce que vous avez vu, Inipara est très contigu avec le centre qui a été incendié. Alors, dites-nous, est-ce que... qui contient beaucoup de choses, beaucoup de marchandises différentes, donc c'est très tôt de faire des bilans. Donc actuellement, on est en phase de travailler pour maîtriser le feu. C'est bon, merci. Merci, des micros. Mon collègue, bonjour. Bon, les gars, prenez position.
comme ça.